s'appuyer sur Mendy immédiatement. Mendy qui va être resservi immédiatement par Orinel. Mendy qui ne remporte pas son duel. Il va peut-être commettre une faute. Non, ça joue. On continue avec ce ballon entré dans la surface de réparation. Le centre d'Orinel. Oh, ça passe complètement au-dessus. Le manqué, le but était vide. Quelle occasion pour Fréjus. Ah, il faut pas les manquer, c'est là. On voit ce centre. Mendy qui fait un bon travail au milieu. On oublie le marquage. Allez, faut tourner. Ça va être compliqué dans le milieu de terrain. Oh, heureusement qu'il y a eu. Avec Lili. Lili à l'entrée de la surface de réparation qui va peut-être prendre sa chance. Il continue, Lili. Lili qui va le retour. Le retour défensif pour l'en avant Guingamp. C'est peut-être pas terminé avec ce ballon qui, cette fois, est dégagé. On la revoit, cette action, Lionel. Et là, Lili. Heureusement qu'il y a le. L'excellent retour défensif de Kerbrat. Heureusement. Ah, c'est bien joué. Voilà. Il fait tourner en Coupe de la Ligue, mais c'est tout. Le ballon sur le côté gauche. Attention, le milieu de terrain de Fréjus qui demande à souffler actuellement. Ouais, avec Jimmy Briand, la parade de Deneuve. Oh, la reprise derrière, ça n'est pas cadré. Quelle occasion pour l'en avant, mais quelle parade de Deneuve. On revoit au ralenti. Oh, il va bien la chercher. Hein, puis... Qu'est-ce qu'il a, mais bien. Quelle détente. Quelle détente de Gaëtan Deneuve. Alors, l'angle est difficile hein, derrière. Là, j'en ai pu voir. Le bloc de Guingamp qui prenait autant la largeur que la profondeur. Lucado sur le côté droit. Un bon ballon. Ouais, très très bon ballon là dans la surface de réparation. Il est passé. Oh, quel frappe. Score, la voici. Ouais. L'ouverture du score signé Mendy pour l'en avant de Guingamp. On les sentait pousser. On les sentait beaucoup mieux à l'entame de cette deuxième période. Les hommes d'Antoine Comboiré qui avaient effectué une nuit de changement à la pause. Ça fait 1-0 pour l'en avant. Deux changements individuels, ok, mais aussi un changement collectif par rapport à un changement tactique avec son 4-4-2. Cette balle qui passe sous Deneuve, je crois. Je crois qu'elle passe sous sa main. C'est bien joué parce qu'on gagne la balle à gauche et du côté de Guingamp, on va tout de suite, le plus vite possible, à droite. Jimmy Briand qui est resservi. Et en plus, on joue vite, on met du rythme. Mendy qui va tenter la frappe, elle est contrée. Ça va rester. Oh, la nouvelle frayeur devant le but. De Gaëtan Deneuve. Tout à l'heure, il essaye de trouver des solutions et malheureusement. Ouais, Jimmy Briand, c'est bien fait le centre, il faut la sortie de Gaëtan Deneuve, impeccable pour éviter le but du 2-0. Mais Jimmy Briand qui récupère à nouveau. C'est terminé, c'est l'en avant de Guingamp qui se qualifie ici au Stade Pierre de Coubertin.